Roy et Fontaine. C'est gagné par Roy. Gauvreau à la rondelle, le défenseur. En train de mettre chez Chelioski. C'est pris par Nantel. Nantel à Boucher. Boucher se faufile en tête défenseur. Ça va au gardien. Là, c'est contre! Quelle belle pièce de jeu de match! Prise par Zirkaz près de la ligne 2, mais Zirkaz n'a plus la contrôler. Il doit revenir en zone neutre. Voilà. Qui se lance à l'attaque. Zirkaz qui tricote. Remet à Baudin à sa gauche. Baudin tire. C'est bloqué en défense par le défenseur Mekazek. Ça revient à Baudin. Baudin remet dans l'enclave pour Lozo, mais il était surveillé de près. Un autre tir bloqué. Le retour de Jean-Christophe Baudin qui lance et contre! René, près du filet pour Sills. Sills est surveillé très par là. Là, son Wicked qui vient lui prêter main forte. René à la pointe droite au défenseur Myers. Myers qui est déjoué à joueur. Myers s'avance. Il a sa compte! Philippe Myers! Dans zone adverse, à la poursuite de la rondelle, c'est Fontaine et Creef. Dans le coin à la droite du gardien, Fontaine et Creef bataille. Ça profite au sac des haies. C'est Nicolas Roy qui relance l'attaque. Passe pour Creef à Boudreau. Boudreau. La passe était vive, il n'a pu la capter correctement. Caron reprend pour Lioski. Caron remet jusqu'à Nantel sur l'aile droite. Nantel avance lentement, il va une longue passe du côté de Boucher, ça a été raté. Poussé chez l'adversaire, Boucher reprend, remet jusqu'à Nantel qui s'amène seul, là c'est contre! Julien Nantel! 5 à 1 en faveur de Lioski qui ont ouvert la machine en deuxième période avec 3 buts. Là. Nicolas Roy va affronter Gabriel Fontaine à la mise au jeu à la droite du gardien Marchand. Et au jeu, la rondelle attend les patins des joueurs, finalement reprise par Philippe Myers. Myers, talonné par Boudreau, réussit à s'avancer. Il a perdu près de la ligne 2, mais il remise finalement à Boucher sur l'aile droite pour Nantel. Nantel tente de déborder le défenseur, remis devant le but! La rondelle a dévié sur le défenseur des Saguenay, je pense. Et du numéro 6, Philippe Myers! Alors, Myers et Fontaine obtiennent des passes sur le but de Nantel. On est en territoire de Lioski. Un tir de loin qui dévie. Marchand bloque, mais le retour est repris par Marco qui réussit à le déjouer. Et Gatineau ne joue pas ce soir. Alors, attention, là, alors, bien posté. Temps et il compte. Alors, c'était situation dangereuse. Et alors, on est qui a marché l'adversaire avec Wicked derrière lui. Remet à Wicked. Wicked s'avance. Il lance. C'est bloqué en défense par Allard. Allard remet pour Boursier. Boursier s'amène chez Lioski. À un contre devant défenseur. Voilà, il remet de l'autre côté. Il tire le but de Gauvreau. Le gardien Marchand a été surpris par ce tir. Là, c'est maintenant 6 vers la ligne bleue. Myers à gauche. Pour Lozon. Lozon tire par-dessus le filet. Ça a dévié. Ça revient à Nantel. Nantel au cercle de mise en jeu. Lance à la droite du filet, ça revient à Lozon, au cercle de mise en jeu, mais Lozon a échappé disque un instant. Remet derrière lui, interception de Mekazek, bloqué son satisfaction par Lozon. Lozon lance, de retour par Wojcik qui lance, et compte! Wojcik! Il a l'air de 6 à 1, là, ils ont... Et voilà, les Huskies qui inscrivent un 8e but! Je regardais mon écran, mais je n'ai pas vu, malheureusement.